Terre avec Juliette Anzian. Alors, prophète Dali Claude, vous êtes prophète d'une église ou bien simplement prophète? Parce qu'aujourd'hui, on commence à faire la différence. Il y a des prophètes qui gèrent des églises, il y a des prophètes qui n'ont pas d'église, qui simplement prophétisent, qui disent ce qui va arriver. Vous vous situez dans quelle vanne? Oui, par la grâce de Dieu, avant que je n'exerce aujourd'hui dans le prophétisme, j'ai été pasteur pendant 13 ans, où j'ai été pasteur dans une église de la place pendant 13 ans. Mais bien avant que, donc, quelques temps avant que le Seigneur me donne ses messages de prophétie, il m'a donc fait retirer pendant 2 à 3 ans. Oui. Et depuis lors, je reçois les révélations pour les communiquer à toute la Côte d'Ivoire et je n'ai pas d'église. Sauf depuis quelques temps, j'ai une cellule où je prie à la maison. À la maison. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait quand même trois ans, si mes souvenirs sont bons, que vous êtes passé à la radio pour vraiment dire des choses graves, graves. Et vous m'avez dit, pendant qu'on préparait cette émission, quand je vous ai vu, ah, Juliette, le temps est arrivé pour que je parle. Pourquoi? Pourquoi d'abord avoir mis tout ce temps avant de réagir, de venir encore dire des choses qui vont certainement nous faire peur? Oui, pour mémoire, il faut dire que ce fut le 17 février 2005 oui. que j'étais venu ici pour la première fois et c'est ce que vous aviez entendu. Maintenant, depuis lors, le Seigneur, pendant presque deux ans maintenant que je ne parle plus dans les rues, oui. il m'a demandé de me taire et maintenant il m'a dit de revenir parce que le temps est presque arrivé pour que le jugement... Est presque ou est arrivé? Est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Pour tout ce que vous avez dit là? Oui, le temps ah est bon? Arrivé. Pour que... Et ça va se faire vraiment? Oui, ça va se faire vraiment. D'accord. Donc notre thème aujourd'hui, c'est la solution à la crise ivoirienne à la lumière des révélations de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ben, ça veut dire que par rapport à cette crise ivoirienne, Dieu qui est Dieu a son mot à dire. Et c'est... à la lumière des révélations, des prophéties, des visions qu'il nous a données, qu'il a donc jeté les bases des solutions au problème de cette crise ivoirienne. Oui, oui. Alors, les pasteurs sont passés à la radio, à la télévision, partout, hein, dans les églises aussi, même des imams, hein, des hommes de Dieu, je veux dire tout court. Il y a eu des intellectuels qui sont intervenus, des hommes de la société civile, des artistes et des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, même les politiciens, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on tâtonne, on n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Selon vous, quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu, il est merveilleux, il est souverain et il ne fait rien au hasard. Nous voudrions dire de tout go aux uns et aux autres. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne fait jamais rien au hasard. Au temps de Noé, il a envoyé Noé et il lui a donné une mission, celle de construire l'arche. Pour ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire, bien les prophètes ont parlé. Oui. Mais nous savons de quoi nous parlons. Et ce que vous entendez, c'est ce qui s'accomplira à la lettre pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que des choses à la fois glorieuses, je pourrais donc dire hyper glorieuses, mais qui seront précédées par des événements hyper dramatiques attendent la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Mais oui. De quoi s'agit-il? Oui. C'est que la Côte d'Ivoire fait l'objet du choix de l'Éternel pour diriger le plus grand réveil. Jamais connu un réveil sans précédent. Un réveil quoi? Spirituel? Un réveil spirituel? Oui, je voudrais parler de réveil spirituel. Oui. Maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que le réveil. Oui. Le réveil, c'est quand Dieu lui-même prend le contrôle de toutes choses à main dans la vie d'un homme ou d'une nation, détruisant avec force tout ce qui est du pouvoir de l'ennemi en vue d'établir son règne sans partage, et ce, dans tous les domaines. Mais quand on parle de réveil, outre ce que vous venez d'entendre, c'est aussi les miracles en masse, les guérisons en masse, les conversions en masse. Mais nous voudrions dire aux uns aux autres que l'humanité est presque à son terme et Dieu est en train de préparer son Église, ceux qui le craignent réellement et véritablement pour l'enlèvement. Donc il faut une évangélisation tout azimut dont la Côte d'Ivoire sera le porte-flambeau pour engranger suffisamment de personnes pour préparer l'enlèvement. Vous avez bien entendu l'enlèvement parce que Dieu ne cache rien du tout. L'enlèvement. Oui. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi, c'est la question que je pose à la plupart de mes invités, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas encore bien perçu en fait ce choix-là. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire?
comme je l'avais dit il y a quelques années de cela à vous, Juliette Anzian, et aussi à toute la Côte d'Ivoire, le choix de Dieu ne souffre d'aucune pression. Il les fait le choix simplement parce qu'il choisit. Mais nous pourrions expliquer de manière plus agrandie pour dire que Israël avait été choisi en son temps pour diriger les nations et faire connaître la parole de Dieu aux nations. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'il a été tué, voici bientôt 2000 ans, et l'évangile s'est ouverte aux nations. Alors donc Dieu se choisit une nation dans les nations, notamment la Côte d'Ivoire, pour éclairer les nations en vue de préparer l'enlèvement. Maintenant, dans le choix de la Côte d'Ivoire, on parle de nettoyage. Il y a quelque chose, avant de vous parler de ce nettoyage, prophète, les hommes en général, pensent que quand ça vient de Dieu, c'est parfait, c'est bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Alors, quand vous dites, on parle de nettoyage, le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire, mais dans ce choix-là, il faut d'abord nettoyer. Quand vous parlez de nettoyage, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'on peut entendre par nettoyage? C'est une très bonne question et nous voudrions parler le plus simplement possible. Oui. Le plus clairement possible pour que les uns et les autres comprennent. Oui, il y aura un nettoyage. On a coutume de penser au balayage et autres, mais cette fois-ci, le nettoyage qui sera utilisé, c'est la guerre. La guerre. La guerre. La guerre même. J'ai. Ça va se passer encore. Deux heures. Ce sera une terrible guerre. C'est par la guerre que Dieu va opérer le nettoyage, parce qu'il ne viendra pas pour pouvoir mettre dans son rang ceux qui ne voudront pas se soumettre à la Seigneurie de Christ. Et comme il y a beaucoup qui ne voudraient pas se soumettre à l'Éternel, ils mourront. Peut-être par la suite, nous allons donc parler des personnes que le Seigneur va utiliser pour faire ce nettoyage. Oui. Mais comme le dirait Jean Anuil, pour le livre La guerre de Troie, nous dirons, pour la guerre de la Côte d'Ivoire, elle aura bel et bien lieu. Et elle sera terrible. Mais je vous ai demandé, les gens ils disent souvent, ah non, Dieu va faire, ça va aller, il n'y aura pas de guerre, Dieu va tout faire pour qu'on ne meure pas. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens-là? Oui, est-ce qu'on comprend bien la parole? Oui, ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort. Oui. Mais dans Romains 11, verset 22, il est dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, mais il est juste. Nous voudrions dire à ces personnes qui le disent, ils n'ont pas tort, mais ils ont une mauvaise approche de la parole de Dieu. Car dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, chapitre 7, s'il vous plaît, 2 Chroniques, chapitre 7, qu'ils aiment souvent citer, mais qu'ils enlèvent du contexte, je voudrais donc dire, 2 Chroniques, chapitre 7, 11 à 22, Dieu dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, cherche ma face, s'humilie et se détourne ses mauvaises voies, alors moi aussi je l'exaucerai. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, depuis lors, on cherche à prier, mais on ne se répand pas sincèrement. Les maux et les vices et les péchés ne font que s'accroître. Alors, c'est un peu comme de l'hypocrisie, ils sont en train de singer, Dieu est obligé de frapper. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne peut pas procéder autrement? Au lieu de frapper, au lieu d'amener la souffrance, la mort, la désolation, on peut pas faire autre chose, passer par un autre chemin? Oui, le problème des hommes, et particulièrement celui de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens veulent que Dieu se soumette à leur volonté, mais ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Quel est l'enfant qui ne voudrait pas accepter la correction de son papa et qui voudrait que son papa accepte ses caprices? Il doit s'aligner, auquel cas le papa va le châtier, va le corriger. C'est le cas de Dieu. Il est appelé aussi un bon Dieu, mais il est aussi appelé l'Éternel des armées. Et quiconque parle de l'Éternel des armées parle à la fois des armes, des stratégies de guerre, mais parle aussi en même temps aussi de victoire et de défaite vis-à-vis de quiconque va s'opposer à l'Éternel. Donc les gens, s'ils se soumettaient tant soit peu à la volonté de Dieu, Dieu n'utiliserait pas les moyens forts. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est écrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais dès lors qu'on ne veut pas obéir à Dieu, Dieu est obligé de monter sur ses grands chevaux pour frapper. Ce sera le cas de la Côte d'Ivoire. D'accord. Il y en a aussi qui disent qu'on va prier, on va jeûner et ça va passer. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, la période de jeûne et de prière est passée. Ah oui. Parce que quoi qu'on fasse, monter, descendre, je le dis aisément, à la limite de la perception de l'orgueil et de la fierté, car nous sommes sûrs de ce dont nous parlons, monter, descendre, cette crise se terminera par une terrible guerre. Elle sera plus forte que la guerre du Rwanda. Dieu m'a dit ceci. Ah oui? Dieu m'a dit ceci, qu'il va ouvrir une fenêtre de l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire. La guerre qui va se passer ici, c'est une guerre qui, du point de vue rendement macabre, sera plus lugubre et sera plus mauvais que celui de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, en comptant sur le domaine statistique.
parce que la Première Guerre mondiale, ça a duré 4 ans, la deuxième, ça a duré 5 ans, et ça fait des millions de morts. On a supposé pour la Côte d'Ivoire, si la guerre a lieu en une semaine ou en deux semaines, et qu'on va trouver au moins 5 à 11 millions de morts, comprenez très bien que ça sera plus macabre et plus meurtrier que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous dites des choses très très graves, ça fait peur. C'est grave. Oui, Juliette Anzian et toute la Côte d'Ivoire qui m'écoutait, ça fait peur, mais à la lettre, c'est ce qui va se passer. Car Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'on a fait de si mal? Oui. Ça fait peur. C'est grave. Oui, Juliette Anzian et toute la Côte d'Ivoire qui m'écoutait, ça fait peur, mais à la lettre, c'est ce qui va se passer. Car Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'on a fait de si mal? Oui, les Ivoiriens ne veulent pas se repentir et ils ne veulent pas laisser le péché. Mais pire, je pourrais dire mieux, c'est que la Côte d'Ivoire a été choisie. Et lorsque on veut faire un champ de café ou de cacao, la nuit sur sa couche, on réfléchit à son patrimoine forestier et la partie qu'on a choisie, les arbres ne seront pas debout là-bas. Les arbres vont tomber parce qu'on veut planter le café ou le cacao. Comme Dieu a choisi la Côte d'Ivoire, il va faire tomber les arbres pour nettoyer, balayer et semer. Car on ne peut pas mettre de la nourriture dans une assiette sale. Donc il va nettoyer d'abord avant d'accorder cette hyper et grande bénédiction à la Côte d'Ivoire. Oui, mais si, justement, par rapport à la grande bénédiction que la Côte d'Ivoire aura, si tout le monde meurt, qui va bénéficier, qui va en profiter? Ben, tout le monde ne mourra pas, comme je ne cesse de le dire. Mmh. En Israël, quand de telles choses sont continuellement passées, il y a toujours un petit reste. Et le reste de ceux qui croient effectivement en Jésus-Christ. Donc ceux qui vont se confesser, se repentir et donner leur vie à Jésus-Christ, à savoir demander pardon à Dieu et se convertir à Jésus. Je dis bien à Jésus-Christ, c'est ceux-là qui seront préservés. Qu'ils soient peu ou pas, peu importe, seulement que Dieu regarde à ceux qui se seront soumis à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore l'occasion de se repentir, de demander pardon pour que les choses aillent pour chacun de nous, peut-être, ou bien pour tout le monde, de façon collective? C'est vraiment une très bonne question, une très bonne question. Oui, il y a encore le temps, mais de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Et je souhaiterais que pour chacun, ce soit maintenant, parce que du jour au lendemain, on peut mourir. Il est mieux de se réconcilier avec Dieu maintenant, car ce n'est pas en pleine guerre qu'on sera en train de le faire. Et ça viendra subitement. Subitement. Ça viendra subitement et ça sera très fort. Ça va embraser tout le pays. Aucun mètre carré de la Côte d'Ivoire ne va échapper. Mm-hmm. Campement, hameau, ville et village, quartier, maison, sera systématiquement pris. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il va provoquer? Qui va faire ça? C'est vrai qu'on dit c'est Dieu, mais Dieu ne descend pas pour le faire. Qui sont ceux qui vont... est-ce qu'on peut savoir? Pas de problème. Selon les révélations et les prophéties que nous avons reçues, nous mettons n'importe qui au défi quant à l'accomplissement de ces prophéties. C'est ce qui va se passer. Dieu m'a dit, et ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois, qu'il a mandaté la France. La France? Il a mandaté la France. Oui. Pour que la France accomplisse le jugement sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi la France? Bon, c'est ton choix, c'est tout. Voilà. De la même manière qu'il a choisi en son temps Babylone de Nebuchadnezzar pour châtier Israël impénitent, c'est de la même façon qu'il a choisi la France pour châtier la Côte d'Ivoire. Et quiconque s'opposera à la France sera en train de s'opposer à Dieu, parce que la France fera office de verge de l'Éternel. Quand vous parlez de quiconque s'opposera à la France, si par exemple aujourd'hui, comme on a déjà vu en 2004, l'association des patriotes qui vont s'opposer, par exemple, parce que pour eux, leur pays est en train d'être pris, est-ce que c'est de ça que vous parlez? Oui, en novembre 2004, avec précision, avec ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire, sans compter les frappes ciblées sur Bouaké et autres, et Korogo, la riposte française a été fatale. À si peu de temps, les aéronefs ivoiriens ont disparu. C'était déjà un signal très fort pour dire que la France a mandat divin pour accomplir le châtiment sur la Côte d'Ivoire. On ne doit même pas s'opposer, on ne doit pas agir. Si la Côte d'Ivoire utilise les moyens militaires pour pouvoir résoudre le problème de la crise en s'attaquant aux Français, ils seront vaincus. Ah oui. Oui, ils seront vaincus. Vous dites aussi que justement, c'est cette crise a des causes essentiellement spirituelles et non politiques. Oui, cette crise a des causes essentiellement spirituelles. Expliquez-vous. Je m'explique. Les hommes de Dieu de la génération finissante, à savoir ces grands hommes de Dieu qui sont donc dans ce pays, qui portent le nom des serviteurs de Dieu, mais en réalité qui ont pactisé avec le diable. Et ce n'est donc pas étonnant qu'en son temps,
Péanzin ait parlé de certaines personnes qui sont venues le voir, j'affirme de manière péremptoire que c'est vrai selon ce que Dieu m'a dit. Et je peux, mais je m'engage, de citer le nom de certains grands hommes ou de soi-disant grands hommes de Dieu de ce pays qui ont pactisé avec le diable. Je les connais. Dieu ne cesse donc, de me les montrer. Aujourd'hui, vous dites que Béanzin a eu raison. Béanzin a eu raison. D'accord, on continue. Car les hommes de Dieu ont pactisé avec le diable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer alors? Et à eux, la mission avait été donnée de diriger ce réveil. Ils sont détournés et ils sont allés chercher la puissance chez eux, le diable, chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs. C'est fort de cela que Dieu a bien voulu descendre, faire descendre sa colère sur le pays. Donc, la raison fondamentale, elle est avant tout et foncièrement spirituelle avant d'être politique. Alors, mais Dieu sait que si c'est des hommes de Dieu, il les connaît. Pourquoi c'est tout le peuple qui doit payer pour des gens qui ont commis le péché ou bien la faute? C'est vraiment une très bonne question. Les hommes de Dieu sont comme la lanterne, ou sont comme les sentinelles d'une nation, ou sont comme les chauffeurs d'un véhicule. Oui. Alors, si les sentinelles n'ont pas vu le danger venir, il va sans dire que ceux qui sont dans le véhicule, bon, ben, qui sont donc les Ivoiriens, vont aussi tomber avec le chauffeur. Mmh. C'est le cas. Je reviens maintenant à la question. Vous avez parlé de la France. J'ai envie de dire, mais vous avez accusé la France. Elle-même peut porter plainte contre vous pour dire que vous l'avez accusée de voter, vouloir faire du mal à la Côte d'Ivoire. Ce que je veux savoir, comment elle va procéder? Quant à ce qui est d'accuser la France et qu'elle pourrait porter plainte, je suis responsable de ce que je déclare, car je parle de la part de l'Éternel. Et si la France n'a pas été créée par Dieu, c'est alors qu'en voulant s'opposer à ce qui vient d'être dit, elle verra qui a mis l'eau dans le coco. Car si elle veut dénier cela, elle verra par la suite qu'elle sera obligée, qu'elle veuille oui ou non, d'agir conformément à la volonté de l'Éternel. Comment ça va se passer? Oui. Certainement que la Côte d'Ivoire voudrait peut-être engager la guerre en voulant donc avoir une autonomie, n'est-ce pas, de son pays, se libérer totalement. Mais donc, si elle le faisait, la France va intervenir de manière frontale avec son armement. Ça sera une guerre totale. Elle sera à la fois navale, terrestre et aérienne. Ah bon, avec, je sais pas moi, les bombes et tout ça? Avec les bombes. Vous savez que la France est une superpuissance. Elle ne va pas aller de main morte. Selon les prophéties, les visions, les révélations que nous avons eues, nous avons vu l'aviation française agir, les chars d'assaut agir. Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, les bateaux de guerre agir. Et la France, aujourd'hui, ne peut pas dire qu'elle ne pourra pas faire cela. C'est une vision et elle s'accomplira. Car Dieu, selon le livre de Nombre 23, verset 19, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Tout cela, parce que la Côte d'Ivoire ne veut pas se repentir. Elle marche dans l'orgueil et elle gît dans une corruption sans nom. Dieu va frapper. Et cela, jusqu'à du planton, jusqu'au sommet de l'État. Dieu va frapper. Mm-hmm. Je parle de la part de l'Éternel. Donc, ce que les gens et les autres doivent savoir, c'est que lorsque Dieu établit un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu est établi sur tout ce qu'il entend. Je fais mon travail et je suis conscient de ce que je suis en train de dire et j'endosse l'entière responsabilité parce que Dieu m'envoie pour avertir toute la nation ivoirienne afin de se repentir pour ne pas qu'elle périsse. Mais si elle ne se repent pas et elle veut marcher dans son orgueil et aller selon sa propre volonté régler cette crise, la Côte d'Ivoire et ceux qui voudront donc pas se soumettre passeront. Ils mourront physiquement mais également aussi éternellement pour passer leur éternité en enfer. D'accord, donc la France va... en fait, moi, je veux encore savoir, hein. C'est vrai, vous dites que si on ne se soumet pas, par rapport à la spiritualité, bien sûr, si on ne se soumet pas à Dieu, Dieu va frapper, et sévèrement, et de façon sanglante. Je ne sais pas, c'est nous qui allons aller frapper, taper la France au point de la provoquer pour pouvoir nous tuer, ou bien ça va se passer comment? Je ne saurais dire exactement comment ça va se passer. Je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit. Oui. Certainement que peut-être la Côte d'Ivoire voudra donc se libérer comme je l'ai dit tout à l'heure et alors la France va riposter. Mais là, Dieu ne l'a pas dit, donc je ne peux pas inventer. Mais ce que je sais, c'est que de manière frontale, il y aura une guerre entre la Côte d'Ivoire et la France qui d'ailleurs va travailler sous le couvert de l'ONU. L'ONU? Tu vas travailler sous le coup. Donc avec la caution de l'ONU, la France va nous frapper. Va frapper. Ah oui. Avec la force licorne, comme vous le savez. Ceux qui sont là encore. Oui. Mais dans un premier temps, la France va avoir la victoire et va positionner les rebelles. Mais par la suite,
l'armée céleste, avec les anges, va intervenir pour libérer magistralement la Côte d'Ivoire. Mais parce que tout le monde est mort. Non, tout le monde ne sera pas mort, je ne cesse de vous dire. Oui, parce que ça, c'est important. Oui, ça va vraiment... C'est dit des millions de morts. Oui, il y aura des millions de morts. Mmh. Il y aura des millions de morts. Celui qui en doute, je vais déjà même prématurément donner mon contact pour dire que je sais de quoi je parle. D'accord, ça sera à la fin de l'émission. Bon, mais d'accord, merci. À la fin, on va donner le numéro. Oui. Mais pour vous, vous dites que... à partir de ce moment-là, quand la France va vraiment frapper, que ce sera dans le désarroi, Dieu va envoyer son armée céleste, oui. N'est-ce pas, qui oui. va... Ça va se passer comment? L'armée céleste de Dieu, est-ce que tout le monde pourra voir cette armée? Et comment ça va se passer? Bon, les anges ont cette capacité d'être... invisible. Oui. Ils peuvent aussi se rendre visibles à dessein. Mais cette armée a continuellement été utilisée dans les grandes guerres pour libérer la nation que Dieu supporte et que Dieu soutient. Parce que je ne cesse de dire, Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est pas qu'il n'aime pas. Mais il y a des individus dans cette nation ou des personnes dans cette nation qui n'ont pas envie de se rallier à la cause de Christ. C'est pour cela que la guerre viendra. Et ils mourront parce qu'ils auront refusé de se soumettre à Dieu. Dans Psaume 24, verset, il est écrit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il n'a jamais été dit à aucun homme politique, la terre, ni un pays. Aucun homme politique, la terre, ni un pays, ça appartient à Dieu. On doit donc se soumettre à la volonté de Dieu. Quiconque ne se soumet pas à la volonté de Dieu est considéré comme un rebelle et il va donc trouver Dieu en face de lui. Nous devrions donc, nous demandons donc aux uns aux autres de se confesser, s'il vous plaît, de se repentir, de demander pardon à Dieu et donner leur vie à Christ. Car le jugement dont nous parlons est imminent. 2 ans après que je me sois retiré des lieux publics, Dieu m'a demandé de revenir pour dire aux Ivoiriens que le jugement est imminent. Il va frapper et très fort. Oui, ça, donc c'est sans appel. Hein? C'est sans appel. C'est sans appel. C'est fort possible que la France utilise des armes non conventionnelles. Qui veut dire l'arme chimique. Ils vont aussi utiliser des armes qu'ils n'ont jamais encore essayées. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire va vraiment résister, va être forte aussi ou bien? Oui, la Côte d'Ivoire va résister, oui. Bon nombre de ceux qui n'auront pas encore compris et qui penseraient que ce serait une guerre de délivrance du néocolonialisme. Donc beaucoup voudront s'engager dedans, à savoir les patriotes, les étudiants, les politiciens et les différentes ethniques et autres. Ils vont vouloir s'engager. Alors la France va parler des mains mortes. Elle sera sans pitié. J'avais pour preuve les événements qui se sont passés en novembre 2004. Oui. Voilà. Oui. Mais je voudrais aussi dire que cette guerre aura un relan de guerre civilo-militaire à consonance politique, religieuse, ethnique, militaire, sous-régional, attendez, ivoirien contre étranger, ce serait un méli-mélo. L'ennemi et l'adversaire ne quittera pas de loin, ou ça sera pas très rebelle et loyaliste. Mais ce sera entre le voisin d'à côté et soi-même. Les uns et les autres viendront à demander quelle est ton ethnie, tu es de quelle religion, tu es de quel parti politique. Si ça ne l'arrange pas, il va terminer celui qui est en face de lui. Ce sera très très fort. Ne m'en voulez pas, je ne fais que dire ce que le Seigneur ne cesse de me dire. Toutes les nuits, il ne cesse de me parler. Et c'est ce qui va se passer. Je vous avertis, s'il vous plaît, par amour. D'accord. Et vous dites aussi que ce sera le jugement de Dieu. Oui, ce sera le jugement de Dieu. Et c'est ça, hein? Vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce sera un jugement irrévocable. Vous lisez le livre de Amos, chapitre 1. Dedans, vous allez trouver à chaque fois où Dieu dit que le jugement sera irrévocable. Vous lisez le livre de Jérémie 14, 11 à 16. Dieu dit que ce peuple-là gêne, prie ou s'humilie ou pas, je vais frapper. Mm-hmm. Voilà. Vous lirez aussi le livre de Ézéchiel, tout le chapitre 9, où Dieu parle aussi du jugement. Ce qui va se passer, ce sera terrible. Vous avez dit aussi que la France va utiliser les rebelles, c'est ça? Oui. La rébellion pour... Oui. Oui. Mm-hmm. Vous savez que dans un premier temps, ce n'est un secret pour personne. Les rebelles qui sont venus avaient donc pour parrain la France. J'en veux pour preuve, récemment sur les journaux, il est écrit que le QG des rebelles était le Quai d'Orsay. Et c'était parole du président, c'est écrit sur les journaux, ce n'est un secret pour personne. Et n'ayant pas donc réussi, eux-mêmes, ils vont donc venir. Mais comme le pays ne leur appartient pas, lorsqu'ils vont combattre, qu'ils vont gagner, parce que dans un premier temps ils vont gagner, ils vont positionner les rebelles au pouvoir. Et Dieu va cautionner cela, parce que les rebelles viendront avec une telle colère et une telle haine que sans pitié, ils vont aller tuer
tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que nous ne cessons de le dire. Dieu a pris ce pays, il veut prendre ce pays comme modèle. Après la crise, la Côte d'Ivoire, je le dis de manière péremptoire, ne sera plus un pays laïque. La Côte d'Ivoire sera un pays missionnaire. Si vous ne croyez pas, cessez d'être des perroquets et de chanter l'hymne national, dont un des vers dit ceci. Notre devoir sera d'être un modèle, non pas de corruption, ni de Mapuka Seré, mais un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Qu'est-ce à dire? L'avenir de la Côte d'Ivoire est hyper glorieux. Et c'est Dieu qui va prendre ce pays à main pour faire de ce pays un pays théocratique, comme ce fut le cas au temps du règne de David. Et c'est la Bible qui va servir donc de constitution à la Côte d'Ivoire et qui sera dirigée par des hommes craignant Dieu. C'est ce qui va se passer. Et je le dis et je m'engage entièrement à cela. C'est ce qui va se passer. Dieu ne ment pas. D'accord. Et donc après, vous dites que la Côte d'Ivoire, dans les perspectives, la Côte d'Ivoire va connaître, n'est-ce pas, un essor glorieux. Mais il faut forcément passer par ce petit problème. Oui, il faut passer par ce désert. Ce désert. Voilà, le peuple d'Israël en passe pour Canaan, a dû, venant donc d'Égypte, est passé par le désert. Mais après, ils sont devenus un pays très florissant. Donc, et fort, ce sera le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera une des plates incontournables sur le plan spirituel. Mais vous savez que si spirituellement la personne est avancée, économiquement, financièrement, socialement et autres, alors la personne, comme le dirait l'autre, est devant. Donc la gloire qui attend la Côte d'Ivoire, elle est une très grande gloire. Même le sous-sol ivoirien, le Seigneur va encore permettre qu'on puisse découvrir encore de l'or, du diamant, du pétrole en quantité. Juste pour avoir suffisamment de l'argent pour aller à faire l'évangélisation internationale et mondiale. La Côte d'Ivoire est le porte-flambeau de l'évangile dans le monde entier. Ce qui attend la Côte d'Ivoire, c'est des choses glorieuses. L'humanité tout entière va envier la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je prie ceux qui sont en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de se repentir pour bénéficier de ces heures glorieuses qui arrivent. Ceux qui ne se repentront pas, ils mourront. Donc, comme me dirait mes pasteurs ou prophètes, tu exagères. Je voudrais dire... Oui, j'allais le dire. Oui. Vous exagérez quand même. Je n'exagère pas. C'est tellement sombre qu'on se dit, mais même le survivant, il ne pourra même pas en profiter. Je n'exagère pas. Et comme je n'ai cessé de le dire, s'il n'y a pas eu assez de morts, ça fera au moins 5 millions de morts, voire 11 millions de morts. Mais nous sommes combien? Je n'exagère pas. Ah oui. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 6. Jésus a dit, voici les signes qui annonceront mon retour. Oui. Premier signe, c'est la guerre, ce n'est pas la paix. Donc c'est pour soyeurs de l'évangile, soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs et autres, qu'ils cessent d'amuser la galerie, qu'ils annoncent le retour de Christ, qui marche avec le fait d'annoncer les cataclysmes, les guerres et autres. Oui. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 24, 37 à 44, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs filles, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Je voudrais dire aux uns aux autres, les démographes disent qu'au temps de Noé, il devrait avoir environ 1 milliard de personnes. S'il vous plaît, tout le milliard est mort. C'est seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Noé, sa femme et ses 6 enfants. 8 personnes. Alors, vous parlez aussi du peuple juif. Vous prenez toujours l'exemple du peuple juif qui a traversé, n'est-ce pas, arrivé à Cana, qui a traversé le désert et tout. Et alors que là-bas, les écrits saints disent que ça a duré 40 ans ou 400 ans, je ne sais plus qu'à minute. Oui, 40 ans, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, est-ce que c'est ce que nous on va faire? On va faire 40 ans aussi? Oh, la raison qui a fait qu'ils ont duré 40 ans dans le désert, c'était leur incrédulité. Non, nous, on ne durera pas 40 ans dans le désert. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Non, le désert ne va pas durer. Cette crise aussi ne va pas durer. Cette crise ne va pas durer. Ça sera une guerre éclair. Éclair. Quand vous dites éclair, comment vous l'assimilez à combien de temps, par exemple? Un exemple. Dieu ne m'a pas dit le temps. Et donc, le temps, lui, appartient selon Daniel 2, 19 à 22. Mais quand vous dites déjà éclair, c'est quelque chose qui est rapide. Bon, ce sera rapide. Mais je ne peux pas dire à combien de semaines, à combien de mois. D'accord. Maintenant, les perspectives. Vous dites que ça sera un moment glorieux après tout ça. Oui. Dites-nous un peu ces perspectives-là. Comment ça va se faire? Vous avez parlé du pétrole, le sous-sol sera très riche, mm-hmm. Il aura beaucoup d'argent, oui. La Côte d'Ivoire sera enviée. Oui. Essayez de nous dire. Voilà, une reconstitution aussi très moderne. La Côte d'Ivoire aussi, ce sera une plate tournante des choses spirituelles. Ce sera comme aussi un lieu de pèlerinage. Dieu va susciter des grands hommes de Dieu qu'il a appelés les paracommandos spirituels, suicides, qui vont aller de par le monde entier pour annoncer l'évangile de Dieu. Ces personnes seront dotées et nanties d'une onction jamais expérimentée.
ce que Moïse a eu à faire, ce que Paul a eu à faire, ce que des éminents serviteurs de Dieu ont eu à faire, ce que le Seigneur va utiliser très bientôt à partir de la Côte d'Ivoire, ça va dépasser pour ces personnes. Ce sera quand même des Ivoiriens. Ce sera quand même des Ivoiriens. D'accord. Et je vais citer un verset sur le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, où Jésus a dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et plus que moi, car je m'en vais au Père. En réalité, nous tendons vers la fin des temps et l'enlèvement n'est pas pour loin. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est Christ qui est l'époux de l'Église, donc des vrais croyants qui, selon la Bible, vers la fin des temps, viendra pour enlever, comme ce fut le cas au temps du déluge. Avant le déluge, Dieu a pris ceux qui avaient cru en lui. Donc avant qu'il y ait ce que la Bible appelle, selon Apocalypse chapitre 17, verset 17, la guerre de l'Armageddon, si vous voulez, la dernière guerre mondiale, on pourrait dire la troisième dernière guerre mondiale, avant cela, alors Dieu va venir enlever son Église. Et l'Église est composée des vrais croyants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et non pas des murs ni des dénominations. À vous écouter, on a l'impression que beaucoup de gens ont déçu, surtout vous êtes un homme de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est, comme vous dites, ceux qui étaient chargés de propager la lanterne, ont dévié, ont déçu, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais ce n'est pas un secret pour personne. Pour personne. Voilà pourquoi. Rien qu'à écouter leur prêche, ils mettent l'accent sur la prospérité. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et il parle aussi de paix. Mais tout ça, c'est faux. La Bible déclare que les choses, selon l'idée de 2 Timothée, chapitre 3, partie 1, verset, iront de mal en pis jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Qu'ils aient le courage de prêcher l'évangile pur qui dit de donner sa vie à Christ, on sera sauvé, et d'annoncer le retour de Christ. Mais comme ils veulent pactiser avec les politiciens, comme ils veulent plaire à leur joie pour, n'est-ce pas, prendre de leur argent, ils ne peuvent pas annoncer l'évangile pur. Nous voudrions dire aux uns aux autres que ce que Dieu m'a dit, l'Église ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde est à 95% apostate. Donc sur 100 chrétiens, on peut trouver 3, 4, voire 5. Donc, ils sont des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez dit aussi il y a 2 ou 3 ans, comme je t'ai dit quand on vous a reçu, que vous avez dit, Juliette, il faut photographier le plateau, il faut filmer les immeubles parce qu'il n'en aura plus. Vous vous affirmez encore ce que vous aviez dit il y a 3 ou 4 ans? Je le réitère de tout go. L'aviation française, je le dis une fois de plus, je le répète encore une seconde fois, je mets n'importe qui au défi de cette révélation, elle va s'accomplir. Pas que je souhaite le mal à la Côte d'Ivoire, mais puisque les Ivoiriens ne veulent pas se repentir, donc l'aviation française va travailler et elle va détruire systématiquement le plateau. Mais ils vont nous rendre service parce qu'après on va exploiter le pétrole. Ah oui? Ah oui, on va exploiter le pétrole et on aura une autre capitale bien construite. Et bon, c'est peut-être la dernière question. Vous avez dit aussi qu'après tout ceci, Dieu va faire venir son armée céleste et elle va bombarder aussi, je ne sais pas si c'est bombarder, en tout cas vaincre la France qui, oui, va devenir notre David contre Goliath. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez réitérer ce que vous pas avez dit? Pas de problème. C'est ce qui devrait nous réjouir et nous amener à nous repentir parce que Dieu nous aime et il envoie l'armée céleste pour nous défendre. Donc la France, 5e puissance militaire du monde, selon ce que nous savons, sera en face d'une armée invisible, mais puissante, l'armée de Dieu. Elle ne pourra pas tenir. Vous avez une poignée d'armées, un petit groupe. Non, pas une poignée, une grande puissante armée. Voilà, puissante armée céleste. Devant laquelle la France ne pourra pas tenir. Je dis bien la France. On pourra les voir physiquement? On peut les voir comme on ne peut pas les voir. Mais ils seront très peu, ceux de la licorne, qui vont retourner en Europe. Ah, ils vont mourir la aussi, plupart, alors. Ils vont tous mourir ici. C'est du jamais vu. Et c'est là l'humanité tout entière va dire, mais un pays qui a déjà été défait militairement par une grande puissance, comment se fait-il qu'elle ressurgit pour pouvoir vaincre cette très puissance? Et la gloire, selon le livre de Ésaïe, chapitre 42, verset 8, reviendra, non pas à la Côte d'Ivoire, non à aucun individu, ni à aucun général d'armée qui soit un stratège fin, mais ça reviendra au seul général d'armée qui est Dieu, Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le prince de la paix, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. Car c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Et c'est pour lui que sont toutes choses. D'accord. Prophète Dali, Claude, avant de donner votre contact, est-ce que quand même il y a des recommandations? J'espère que vous allez pouvoir nous faire. Oui, j'ai un profond amour pour mon pays. Et c'est pourquoi la recommandation que je voudrais faire à chacun d'entre nous,
qu'on soit ivoirien ou pas, mais pour peu qu'on soit sur la terre de Burundi, c'est de demander aux uns aux autres de se confesser, de se repentir, de demander pardon à Dieu pour leurs péchés et donner leur vie à Jésus-Christ, non pas une religion. Ils seront épargnés. Voici la recommandation que je voudrais faire. Et cela concerne aussi bien celui qui est au bas rang de la société jusqu'à ceux qui sont en haut et en haut. Et je le dis aussi à même ceux qui portent le titre de pasteur, de prophète, de chrétien, qui n'ont qu'à faire un examen de conscience. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 17 que le jugement, oui, alors doucement, que le jugement commencera par la maison de Dieu. Je voudrais dire à cet effet que bien des églises qui ont été construites à frais à coups de milliards seront littéralement bombardés par l'aviation française. Ah oui. Je demande aux uns aux autres de se confesser, de se repentir, de demander pardon à Dieu et de donner leur vie à Jésus-Christ. Car l'avenir qui attend la Côte d'Ivoire est un avenir hyper, 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 hyper glorieux. Ce que Dieu ne cesse de me faire voir, et même pendant que je suis en train de parler, et ce que je vois actuellement, c'est merveilleux et c'est glorieux. Mais il faut passer par le tunnel de feu d'abord. Il faut passer par le feu, ça sera terrible. Jamais guerre n'aura été aussi meurtrière que celle qui va se passer ici en Côte d'Ivoire. Et elle aura bel et bien lieu. Merci prophète Dali Claude, vous êtes prophète et vous dites que vous n'avez aucune église, vous priez simplement en cellule et vous êtes ivoirien. Oui. Ivoirien de père et de mère. Oui, je suis ivoirien, je suis bété. Bété. Ah, de Gagnoua. Bété de Gagnoua. Oui. Ah d'accord. Voilà. On va prendre votre contact. Vous êtes, vous répondez à quel numéro? Voilà, mon contact. Mais avant cela, je voudrais dire que je suis marié, père de 6 enfants et j'ai des enfants qui sont supérieurs. Donc je suis responsable de ce que je dis. D'accord. Alors mon contact c'est 05 63 87 92. Moi je vais reprendre pour vous. 05 63 87 92. Merci beaucoup. Oui. Merci. Il a dit, mesdames et messieurs, il a dit, il est responsable, il est père de famille, il est marié. Il parle au nom de Dieu et il prend toutes ses responsabilités parce que c'est Dieu qui l'a mandaté pour nous livrer ce message terrible, je l'avoue. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse.